All rise, voilà, voilà, vers. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience du mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux est ouverte. Please be seated. Good afternoon, Your Honor. Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire Le Procureur contre Félicien Kabouga, numéro d'affaires MICT 1338PT. Merci, le juge président, Monsieur Bonomi. Bonjour, je mène aujourd'hui la conférence de mise en état en tant que président et juge de la mise en état de la Chambre de première instance. Je vais demander aux parties de bien vouloir se présenter, à commencer par l'accusation. Monsieur Edelkin, bonjour Monsieur le Président. L'accusation est aujourd'hui représentée par moi-même, Rupert Edelkin, avec notre chargé de l'affaire, Thomas Logel, et Maria Yakusheva. Merci Monsieur Edelkin, dit le juge Bonomi. Maintenant, je passe la parole à la défense de Monsieur Kabouga, Maître Altit. De Madame Naouri, du professeur Jacob, c'est de moi-même, Emmanuel Altit. Thank you. Merci, Maître Altit. Alors, j'ai besoin de m'assurer que Monsieur Kabouga entend les débats dans une langue qu'il est à même de comprendre et qu'il voit aussi l'audience qui est en cours. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Thank you very much. Nous faisons un test. Je vous remercie. Alors, il y a une question que j'aimerais aborder dès le début avec Monsieur Kabouga et qui est de nature confidentielle et par conséquent, je vous serai reconnaissant de maintenant passer à huis clos partiel. Le greffier d'audience, nous sommes de retour en audience publique. Monsieur le Président, le Président, merci. Alors, pour le public, je devrais plutôt expliquer que j'étais en train d'indiquer à Monsieur Kabouga qu'il n'y a absolument pas d'attente raisonnable à ce que Monsieur ou Maître Peter Robinson soit nommé ou désigné en tant que son conseil dû au fait que Maître Robinson fait l'objet de deux enquêtes qui sont ordonnées par une décision judiciaire. La Chambre de première instance a l'obligation de s'assurer à ce que les procédures soient justes et équitables. Et donc la Chambre de première instance n'est pas en position de nommer Maître Robinson en tant que conseil de Monsieur Kabouga tant et aussi longtemps que le risque de cette enquête existe qui pourrait mener vers d'autres poursuites et de cette manière l'incapacité à agir en tant que son conseil. J'ai également expliqué à Monsieur Kabouga que la Chambre de première instance a pleinement confiance en Maître Altit et son équipe et nous sommes convaincus que ces derniers représentent adéquatement ses intérêts. Maintenant, je me tourne aux questions qui portent sur les préparatifs du procès. Comme je l'ai fait par le passé, dans cette affaire, j'ai eu des réunions avec les parties ainsi qu'avec le greffe au titre de l'article 70G hier et aujourd'hui.
avec l'objectif d'éliminer ou d'écarter des questions de procédure qui nous attendent pour ce qui est de l'audition de témoins experts médicaux qui ont été désignés pour assister la Chambre de première instance dans la détermination de l'aptitude de M. Kabuga à subir son procès. Et ce procès se déroulerait à Arusha. Jusqu'à maintenant, la Chambre de première instance a donné pour instruction au greffier de nommer 3 experts médicaux indépendants au titre de l'article 84 afin d'évaluer M. Kabuga. La Chambre de première instance a également autorisé l'accusation de nommer son propre expert médical afin de l'évaluer. Les 4 experts médicaux ont conclu leurs évaluations et ont déposé leur rapport. Le dernier rapport est arrivé vendredi dernier, le 6 mai, après qu'une prorogation ait été donnée à l'expert de l'accusation. En préparation pour cette conférence, les parties et le greffe ont été informés par courriel le 27 avril que la Chambre de première instance a l'intention d'entendre les experts dans le cadre d'une audition dans la semaine du 30 mai au 4 juin. Ce lundi, le 9 mai, la défense a déposé une requête demandant la désignation d'un expert médical de la défense pour décider de l'aptitude de M. Kabuga de subir son procès. Cette requête est en cours d'examen par la Chambre de première instance. Hier, ainsi qu'aujourd'hui, la défense a fait valoir qu'elle ne serait peut-être pas prête à procéder à entendre les experts à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, dû au fait qu'elle souhaiterait consulter d'autres experts médicaux sur des questions complexes et fondamentales qui ont été soulevées dans les rapports médicaux d'experts. La défense s'attend à ce qu'elle pourrait être prête pour cette audition. Pour ceci, au début du mois de juillet et à l'intention de déposer une requête à cet effet. Avant de poursuivre, je voudrais inviter Maître Altit de confirmer ou préciser la position actuelle de la défense sur la question relative à l'audience et de le faire en tenant compte que la requête qui a été présentée hier a été acceptée. Maître Altit, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour répondre à votre question, il s'agit de la durée des interrogatoires. Alors, pardon. Oui, pardon. Il y a eu une petite incompréhension. Donc, si je comprends bien, il s'agit du report, n'est-ce pas, que nous souhaitons déposer. Yes, that is. Oui, c'est exact, Maître Altit. En fait, la question est de savoir si vous avez l'intention, encore, si vous avez toujours l'intention de préparer la quête supplémentaire à laquelle vous avez fait référence hier et aujourd'hui et de demander un report de l'audition. Oui, Monsieur le Président, nous envisageons évidemment, comme je vous le disais, de déposer cette motion pour des raisons très simples. D'abord, la question qui sera posée lors de ces audiences, c'est une question essentielle, une question cruciale, celle de l'aptitude à être jugé de Félicien Kabuga. Il nous faut donc tous être prêts de façon à pouvoir répondre à cette question de la meilleure manière possible pour que la Cour, pour que la Chambre soit éclairée de la meilleure manière possible. Nous considérons qu'il est essentiel d'être bien préparé pour ne rien laisser de côté, ne laisser aucune question dans l'ombre et qu'il en va du caractère équitable du procès.
En réalité, la question de l'aptitude est une question complexe, bien sûr sous l'angle médical, mais aussi une question complexe à appréhender par nous tous ici. Sous l'angle médical, elle fait appel à un certain nombre de points de vue, les points de vue de différents spécialistes. Et nous considérons que pour être parfaitement préparés, nous devons consulter, ce que nous avons d'ailleurs commencé à faire, un certain nombre de spécialistes dans différents domaines. Je prends quelques exemples, neurologie, psychiatrie, gérontologie, il y en a d'autres. Il est important pour nous d'être préparés de la meilleure manière possible. Mais je voudrais ajouter quelque chose. La discussion est une discussion qui, nécessairement, si on veut réellement traiter cette question, est une discussion qui doit aller au fond des choses. C'est une chose de dire, il peut comprendre telle ou telle chose. C'est autre chose de savoir s'il est apte ou pas apte. Qu'est-ce que c'est l'aptitude ? Ce n'est pas la capacité de comprendre quelque chose à un moment donné. L'aptitude, c'est la capacité à créer des relations, à créer des correspondances, à créer de l'intelligence dans le temps, à créer une projection. C'est ça l'aptitude. C'est l'aptitude à comprendre les tenants et aboutissants. Pour déterminer l'aptitude, à notre avis, il faut donc aller au fond des choses. Et pour aller au fond des choses avec des médecins, il faut parler leur langage, il faut comprendre ce qu'ils disent. Par conséquent, préparer ces interrogatoires et contre-interrogatoires avec des spécialistes nous paraît absolument essentiel. Et ça ne peut pas se faire en quelques jours. Un, nous n'avons pas beaucoup de jours depuis aujourd'hui, depuis la formalisation de votre décision. Il y a, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe, 12 jours ouvrés entre votre décision et la première audience. Deux, les spécialistes ne sont pas à notre disposition. Il est difficile de leur demander de nous consacrer du temps. C'est pourquoi nous vous demandons, parce que nous pensons que c'est utile pour tout le monde, pour les parties et pour la Chambre. Parce que nous pensons que nous tous ici en tirerons bénéfice et que la justice en tirera bénéfice. Nous vous demandons un délai supplémentaire de 3 semaines qui nous paraît être suffisant pour préparer au mieux les interrogatoires et contre-interrogatoires. La demande se fera, nous allons vous la déposer par écrit aussitôt que possible. Puisqu'il s'agit d'être le plus efficace et le plus rapide possible, nous la déposerons par écrit dans les jours qui viennent. Voilà, Monsieur le Président. Le Président. Eh bien, Maître Altit, j'admire vos compétences d'orateur, et je comprends tout à fait la passion avec laquelle vous estimez qu'il est approprié de mener les enquêtes supplémentaires que vous souhaitez faire auprès des experts. Toutefois, ce que vous nous avez dit manque un réel degré de précision. Le contenu précis des éléments particuliers, des particularités, des rapports existants que vous souhaitez peut-être contester avec l'aide de conseils supplémentaires. Je pourrais seulement, de concert avec mes collègues, tenir compte de votre demande à la lumière d'une présentation plus précise que vous entendez faire par écrit. Mais je voudrais surligner que plus vous prenez de temps à le faire, plus il est difficile pour la Chambre de première instance de rendre une décision en votre faveur. Et donc, c'est à un observateur de conclure qu'il s'agit de quelque chose qui ne peut pas être fait à cette étape-ci pour plusieurs raisons. Mais je vais vous permettre d'élaborer la base de votre demande le plus tôt possible. Pour l'instant, toutefois, je vais maintenir le calendrier sans préjudice à la décision que la Chambre de première instance pourra prendre
et en tenant compte également de votre requête de nommer des experts, de consulter des experts et toute requête que vous pourriez faire pour demander une prorogation de l'audition. Donc, pour les planifications, nous nous attendons à ce que les experts seront interrogés à la Chambre de la Haye du mécanisme à partir de mardi le 31 mai jusqu'à jeudi le 2 juin. L'interrogatoire est anticipé dans l'ordre suivant. Tout d'abord, nous entendrons le professeur Henri Kennedy dans la matinée du 1er mai. Ensuite, nous entendrons le docteur Rutakai Libizosa dans l'après-midi du 31 mai ou dans la matinée du 1er juin. Ensuite, nous entendrons le professeur Gillian Maisie dans l'après-midi du 1er juin. Et quatrièmement, nous entendrons, et de manière provisoire, le professeur Francesco Matacerasso dans la matinée du 2 juin. Nous nous attendons à ce que la Chambre de première instance reçoive les requêtes orales des parties relatives à ces éléments, soit le vendredi 3 juin ou le jeudi 7 juin. D'autres instructions sur les différentes modalités qui sont en lien avec l'examen. Les requêtes orales seront confirmées en temps voulu et à la lumière de développement futur dans cette affaire. Toujours en lien aux questions médicales. L'accusation a déposé une requête urgente le 27 avril demandant à ce que leur expert médical consultant puisse avoir accès au rapport médical du 19 avril et déposé par le greffier le 21 avril. La Chambre de première instance a réfléchi à cette question et fait droit à cette requête. Hier, l'accusation a demandé à ce que son expert consultant puisse être présent pendant l'audience. La défense n'a aucune objection et cela sera également permis. Enfin, sur ce sujet, la Chambre de première instance ordonne que chacun des experts qui a déjà été désigné par le truchement d'une ordonnance judiciaire dans cette affaire puisse maintenant avoir droit à tous les rapports d'experts qui ont été déposés et d'avoir également accès à tous les rapports médicaux qui suivront par l'officier médical du quartier pénitentiaire des Nations Unies qu'ils n'ont pas encore reçu. Et le greffier devrait distribuer ces documents aux experts le plus tôt possible. S'agissant maintenant d'autres questions relatives aux préparatifs du procès, la Chambre de première instance a donné sa requête sur la manière de conduire le procès le 14 février et elle a fait droit à deux requêtes de l'accusation portant sur l'admission des éléments de preuve au titre des articles 110 et 112, les 11 et 26 avril 2022. La Chambre de première instance est actuellement en train de délibérer sur les requêtes de présentation de preuves de l'accusation pendante et une décision devrait être donnée sous peu. Cela met fin à mon évaluation, mon examen des développements depuis la dernière conférence de mise en état. Je me tourne maintenant vers les parties pour voir si elles souhaitent soulever d'autres questions. Maître Altit, souhaiteriez-vous ajouter quoi que ce soit? Thank you, Maître Altit. Merci bien, Maître Altit.
Monsieur Elderkin. Monsieur Elderkin, Monsieur le Président, question administrative. Pour donner suite à la réunion informelle d'hier, nous avions promis de vous donner notre évaluation, nos projections révisées s'agissant de la durée de notre interrogatoire principal. Et donc, sur la base de la liste de témoins déposée la dernière fois, donc au mois d'août, lorsque nous avons déposé les listes, nous avions tenu compte de 168 heures. Et nous avons maintenant utilisé les règles qui sont à notre disposition et nous avons maintenant révisé nos projections. Donc, si notre intention de déposer les requêtes au titre de l'article 111, si cela sera accepté, donc la durée de l'affaire sera environ 80 heures. Donc, il y a un témoin pour lequel j'ai mentionné hier que nous allions demander à ce qu'il soit admis au titre de l'article 111. Et je crois que pour ce dernier, il faudra 2 heures. Donc, je ne sais pas si vous pourriez faire droit à cette demande. Et donc, il s'agira de 76 heures et demie. Le Président, auriez-vous d'autres choses à ajouter? Monsieur Elderkin, Monsieur Elderkin, non. Monsieur le Président, merci. Le Président, je vous remercie. Donc, je vous remercie de vous être penché de très près sur la façon dont nous pouvons présenter cette affaire afin de permettre à la Chambre de première instance d'adopter un calendrier souple, puisque nous allons devoir tenir compte, bien évidemment, de l'état de santé de l'accusé. Donc, Monsieur Kabuga, je m'adresse à vous. Je vous ai dit au tout début que j'ai tenu compte de ce que vous avez dit concernant votre état de santé. Je suis heureux de pouvoir remarquer que vous avez été en mesure de participer aux procédures et de suivre les procédures. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose avant que je ne lève l'audience? Je vous prie de me laisser partir parce que je suis très fatigué. Je n'ai plus de force pour suivre cette audience. Je suis très malade. Well, Mr. Kabuga, Monsieur Kabuga, vous serez heureux de savoir que dans quelques instants, vous serez libre de quitter. Je vous libère donc, et cela de cette audience de mise en état. Et donc, vous pouvez maintenant disposer.